quand même pas trop mal. Scappo via dalla città, scappo via da questa realtà e vado a cercare il mare visto che tu non ti fai trovare. Alors Antoine, donc là c'est votre local de pizza. Voilà, tout à fait. Installé dans, on va dire dans votre arrière. Dans une dépendance, tout à fait. Du jardin. Donc ça, donc là c'est là où vous préparez la pizza. Alors ici c'est là où je fais mes pizzas. Ouais. Donc ici vous avez ici donc le frigo où j'ai tous mes produits qui sont finis en fait. D'accord. Qui sont prêts à être utilisés. Ok. Ici c'est la table sur laquelle je prépare mes aliments, je fais mes pizzas également. Ok. Vous avez ici mon épicerie sèche. Ok. Four à pizza. Ok. Et voilà. Différents frigos dans lesquels je stocke mes marchandises. Donc par exemple, mes produits qui sont pas travaillés, pas découpés, encore emballés, etc. Ouais. Ou alors ici, par exemple, mes pâtons. D'accord. Voilà. Tout est bien rangé. Super. Donc là, vous me dites que vous faites combien de commandes par semaine, du coup, alors ça fait? Alors en termes de commandes, on est sur, je pense, environ 60-70 commandes par semaine. D'accord. Très bien. Ok, bon, c'est un début, c'est au bout d'un an. Ce sont principalement des amis, le bouche à oreille qui fait que... Alors, j'ai fait un petit peu de communication également, de communication sur les réseaux sociaux, sur différents supports. J'essaie de faire aussi un petit peu du démarchage de prospectus. D'accord. Après, je suis pas très fan parce que c'est vrai que souvent on les jette et bon, j'essaye un peu d'avoir cet aspect environnemental. Mm-hmm. Et sinon j'ai participé comme par exemple la semaine dernière à des événements durant lesquels on a fait en fait on a nettoyé une zone qui était polluée par des incivilités à Saint-Thibault-des-Vignes. Donc j'ai participé à ce type d'événement en offrant 20 pizzas à tous les participants. D'accord. Ce qui me permet aussi également de me faire connaître au passage. Mais surtout c'est parce que ça correspond en fait à mon éthique, à l'éthique de l'entreprise. D'accord. Le fait de proposer des produits des produits locaux, le fait de travailler avec des produits de qualité supérieure, voilà, c'est vraiment tous les produits sont sélectionnés, d'une part de par leur proximité, mais mmh. aussi de par leur méthode de production, voilà, c'est important, parce que on peut des fois avoir des produits bio, c'est ce que m'a appris Gilberto, on peut avoir des fois des produits bio qui sont produits d'une manière très polluante, mmh. alors qu'à côté on peut avoir un produit qui n'est pas bio mais qui est produit d'une meilleure manière. D'accord, très bien. Et donc là, vos produits, donc vous m'avez dit vos tomates venaient de France, enfin dans un premier temps de France, ensuite maintenant d'Italie. Voilà. Vos anchois, ils viennent d'où par exemple? Alors moi j'utilise pas d'anchois. D'accord. Alors pourquoi pas d'anchois? Parce que vous n'avez pas les... Je l'ai utilisé comme pizza du mois. D'accord. C'est la pizza préférée de mon grand-père d'ailleurs. Ouais. Mais j'utilise pas d'anchois parce que bah, pour l'instant je l'ai tout simplement pas mis à la carte car en fait bah j'utilise uniquement des produits frais, donc vraiment tout est frais à 100%. D'accord. Tout est fait maison et du coup j'ai pas envie de gâcher voilà. Pas mal de produits qui viennent de la ferme de Saint-Thibault également. Exactement. Voilà, donc par exemple la crème fraîche. Par exemple la crème fraîche. Par exemple, le fameux Brière, voilà. Voilà, là c'est le Brière. Qu'est-ce que c'est le Brière alors? Alors, le Brière en fait, c'est un gruyère fait à base de brie, tout simplement. D'accord. C'est un produit phare de la ferme de Saint-Thibault. Ok. Que je me sentais obligé d'utiliser dans mes pizzas. Donc, avec ce Brière en fait, j'ai fait la base de ma pizza en fait à la place de la mozzarella, j'ai mis du Brière. Notifica che vibra nella tasca e la tua voce che mi vibra nella testa i miei BFF che gridano yes, preferisco gli shots agli screenshot urlare come monkey in una notte di Van Gogh con gli amici so che fai finta di niente ma di nascosto poi mi intasi la DM. Non mi va, non mi va di ricamarti, non mi va, non mi va.
come monchi in una notte di Van Gogh. Con gli amici sono più facili da di niente.